mon souvenir le plus marquant aux Jeux Olympiques, c'était à Pékin en 2008. C'était pendant la finale du 100 mètres lors de la victoire du Usain Bolt. J'ai rarement vu un athlète, un gamin, hein, il n'a pas 22 ans, aussi décontracté en finale olympique. Et en fait, cette course, elle est mythique parce qu'il part à fond et il se relâche avant la fin alors qu'il avait déjà gagné, quoi. C'était incroyable à voir. On voit qu'il est hyper décontracté et qu'il fait le malin et il sait qu'il va gagner et derrière il fait une course monstrueuse, quoi. Cet homme s'appelle Usain Bolt, il est au couloir numéro 4 et il ne doute de rien. Usain Bolt, bah pour moi, il incarnait sur cette course la nouvelle génération qui arrivait. Pour moi, c'était vraiment une passation de pouvoir. Donc cette course, elle est pleine de beauté parce que c'est le début de l'ère Bolt. Et c'est justement aussi des images comme ça qui m'ont inspiré pour devenir plus grand, pour devenir meilleur et me tirer toujours vers le haut parce qu'il n'y a pas de limite dans le sport. J'espère bien sûr performer en 2024 comme en 2021. Et c'est ça aussi que je cherche, c'est de la continuité. Être sur la plus haute marche du podium comme l'a fait Usain en 2008, 2012, 2016. Ça sera le premier départ qui sera le bon. Usain Bolt qui est en action avec Thompson qui est parti très vite. Usain Bolt qui fait l'effort. Usain Bolt champion olympique, attention chrono. Il a levé les mains. 68, nouveau record du monde. Et il a levé les mains. C'est l'empereur venu de Kingston, la patrie de Bob Marley. Usain Bolt enfin. En 2024, un mot à décrire l'histoire.